Au-delà des rivages de Bali, de petits groupes d'hindous continuent de perpétuer des rites anciens. Ce volcan imposant est le mont Bromo, dans l'est de l'île de Java. Le volcan est un chaudron bouillant, d'eau, de cendres et de soufre. Il n'est jamais en paix, et les habitants de la région doivent composer avec ses sautes d'humeur. Les membres du peuple Tengger sont parmi les derniers hindous de Java. Chaque année, ils célèbrent la fête du Yadna Kasada. Organisée autour des cycles de leur calendrier, cette fête est consacrée aux esprits de la montagne. La cérémonie commence à minuit, dans le temple situé au pied du mont Bromo. Des prêtres viennent de toute la région pour brûler de l'encens et faire des offrandes aux dieux. Ce n'est que la première étape d'un rite ancestral. Les villageois doivent ensuite entreprendre l'un des pèlerinages les plus risqués au monde. Ce rituel éprouvant s'inspire de l'histoire d'une princesse Tengger et de son mari, qui ont supplié le dieu du volcan de leur donner des enfants. Celui-ci a accepté, à condition que le dernier-né lui soit offert en sacrifice. Une fois au bord du cratère, les villageois jettent des légumes, du riz, des poulets et des chèvres pour apaiser la colère du dieu qui gronde au cœur du volcan. Mais tandis que les pèlerins lancent leurs offrandes aux dieux, les villageois se rassemblent en contrebas pour les réceptionner, en équilibre sur la pente du cratère, inclinée à 50 degrés. Ici, rien ne se perd. Dans la culture Tengger des rites et sacrifices, les dieux sont ainsi apaisés et les offrandes recyclées.